Alors, qu'est-ce que vous voulez? Alors, regarde bien. Dans l'ésotérisme, il y a beaucoup d'écoles ésotériques qui nous disent, il y a les plans de la lumière, il y a les plans des ténèbres. Ici, sur la matière, on essaie de se débrouiller. Alors, on divisera le tout par une barre. Les plans de la lumière sont en haut. On les appelle le atmique, bouddhique, nirvanique. Le mental est ici. Dans le mental, c'est comme une loupe dans laquelle tu as l'ego. Puis à travers cette loupe-là, qui est colorée avec le périsprit, tu as ici le passage qu'on appelle l'âme, qui est une espèce de couloir, de tunnel, qui, des plans de la lumière, nous incarne dans trois plans: éthérique, physique et astral. Ça ici, c'est tout dans le sujet de l'ego, du moi. Tu es pris avec ta réalité très personnelle, mais tu n'es pas relié avec les plans de la lumière parce que tu passes par le tunnel ici, qui est une loupe colorée, qui focalise les plans de l'énergie de la lumière. Et tu te réalises, et dans ce que tu nous enseignes, c'est très conforme à ce que tu nous enseignes. Ça, c'est transmis dans beaucoup d'écoles ésotériques. Puis évidemment, ça fait allusion, on se pète les bretelles au Québec avec la fleur de lys, là, les quatre fleurs de lys sur le drapeau du Québec. Mais c'est un message qui est envoyé par les Mérovingiens, Mérouègues, premier roi de France. Et après ça, tu as eu les Capétiens, tu as eu tous les Bourbons puis tous les autres. Mais la fleur de lys dont le Christ parle d'ailleurs, c'est la seule fleur dont il parle dans son passage sur la terre, est un grand, grand symbole. Je ne sais pas quel commentaire tu peux faire là-dessus. Tu sais, tu as ici les plans des ténèbres, si on veut, là, de la misère de l'homme d'ici, qui veut fusionner avec les plans d'en haut. Et les plans d'en haut sont aussi des archétypes des plans d'en bas. C'est-à-dire que c'est très semblable, si tu veux. Tu as le physique en bas qui donne un corps physique. En haut, on l'appelle atmique. Tu as le corps astral, qu'en haut, on appelle le corps bouddhique. On ne peut pas dire Bouddha, là, mais on l'appelle le corps bouddhique, tu sais, c'est comme astral. Puis ici, tu as le corps éthérique, le corps d'énergie, alors atmique, bouddhique et nirvanique. Ça, c'est des noms, c'est des mots. C'est d'autres mots, ce n'est pas les mots de Bernard, mais c'est d'autres mots que tu connais déjà. Mais cette idée là, de conceptualiser à l'aide d'un dessin un peu là, tout le travail là, Je vais vous dire ma position sur ça. Tout ça, c'est du bourrage de crâne. Je vais vous dire pourquoi. Mais qu'est-ce que tu dis? Même ton enseignement est du bourrage de crâne? Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Il dit, c'est bien sûr. Il faut le comprendre comme ça aussi. Écoutez bien ça. Ça, c'est un petit reproche qu'on fait à Bernard. Ça rejoint beaucoup le mental, passé le cœur. C'est la voix du mental et c'est pas la voix du cœur. Oui, Donc, c'est un mais bourrage de écoutez, crâne, c'est mental. quand je dis c'est un bourrage de crâne, je ne veux pas dire que c'est pas utile ou c'est pas valable psychologiquement. Je veux dire que c'est fini. Faut le vivre. Ça fait partie de la recherche spirituelle de l'homme. Vous me parlez des sociétés, vous me parlez du matériel psychologique ou psychosymbolique des sociétés occultes jusqu'à aujourd'hui. C'est fini. Vous n'allez pas m'amener à chercher là-dedans quelque chose de valable. C'est fini. L'ésotérisme dans le monde, il est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas de ma faute. L'homme doit apprendre à décomposer la forme jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de valeur pour lui, pour qu'il entre dans le mental pur. C'est fini. Je comprends la valeur psychologique de l'évolution de la forme pendant l'évolution, mais c'est fini. L'homme a plus besoin. Bon, je vais vous donner un exemple. Je vais les prendre ces termes-là, là, puis je vais vous les expliquer une fois pour toutes. Je vais vous les expliquer là pour que finalement ça soit au moins enregistré quelque part dans la province. Je vais vous l'écrire là.
le terme bouddhique. Le terme bouddhique veut dire tout ce qui touche à la lumière astrale. Parlez-moi pas du terme bouddhique. Tout ce qui fait partie... L'homme aujourd'hui, tout ça, l'homme est ici et il est rattaché à ça selon certains niveaux. Donc, vous arrivez au bouddhique et à l'atmique. Mais l'homme doit sortir de ça. Le réel commence où ça finit. Donc, le réel commence où l'ésotérisme termine sa tâche évolutive. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Le réel, c'est pas un monde psychologique, c'est pas un monde de forme. Le réel, c'est un monde d'énergie qui crée la forme quand l'énergie passe dans différents médiums. Quand l'énergie passe dans un plan tel que le plan bouddhique, la forme qui est créée, c'est la forme spirituelle de l'âme. C'est ça le plan bouddhique. Mais l'homme doit en arriver à sortir de ce médium-là, c'est-à-dire que l'homme doit en arriver à sortir du monde de la connaissance pour en arriver à rentrer dans le monde mental qui crée la connaissance. Sans ça, l'univers n'aurait pas sa dynamique. C'est l'énergie qui doit créer sa propre forme. Et l'homme est rendu à un point aujourd'hui où il est suffisamment développé pour sortir du monde astral spirituel. Je ne parle pas du monde astral inférieur, là. Je parle du monde astral spirituel. Donc, même vous avez Rachner Chanzen qui l'a dit dernièrement. Il dit, je pensais que Nirvana c'était l'affaire, et là je m'aperçois que c'est le début de l'affaire. Mais si le gars il a une grande barbe, puis il a des grands habits, puis il dit « je pensais que le nirvana c'est l'affaire, puis là je m'aperçois que c'est le début de l'affaire », on le croit. Mais si c'est un occidental avec une boucle, puis un saut acheté chez Golden Sun, on ne le croit pas. Mais laisse-le là, Bernard, tes dessins, parce que là j'ai une petite remarque à faire, c'est que ton milieu ici, ça me rappelle un peu l'étang d'eau où il y a des poissons. Puis toi, Bernard, t'es le gars en train de nous dire, un jour, là, vous allez comprendre que vous allez sortir de l'étang. Vos ouïes là, vont changer là, en poumons, puis vous allez vivre dans l'air. La vraie réalité sur la Terre, c'est pas de vivre dans un étang. T'es pogné dans ton étang. Sors de l'étang, puis tu vas voir que tu peux marcher sur la Terre, tu peux te promener partout parce que tu vis dans l'air. Là, t'as pas de choix. C'est ça. Mais là, moi, je te dis une chose. On est encore les poissons. Oui, vous autres, pas moi. OK. Alors, peux-tu parler? Peux-tu continuer à parler à des poissons? Oui. Qui sont poissons? Oui. Puis qui ont des problèmes en tant que poissons? Oui. Parce que l'étang commence à être pollué. Fait que veux, veux pas, ils sont pollués. Non. Il va falloir qu'ils sortent de leur étang. Veux pas, ils sentent là, qu'il faut sortir de l'étang. Oui. Seulement que, si tu veux parler aux poissons... Ça, c'est parce que tu as tourné tout le long, je te regardais, tu tournais toujours devant ça. Ça marche? Bon, tu me demandes si je peux entrer dans les tanks avec les poissons. Là. Je le fais depuis des années de temps. Ça fait des années que je donne des séminaires aux poissons. Ça fait des années. Seulement, les poissons ne peuvent pas me demander. C'est moi qui donne le séminaire. Fait que les poissons ne peuvent pas me demander de parler le langage du poisson. Mais je suis willing d'aller dans les tanks avec eux autres. Puis dit, bon, ben, au-delà de l'étang, moi aussi j'ai été poisson. Au-delà de l'étang, bon, ben, je m'étais aperçu qu'il y a d'autres choses, c'est là. Fait que là, je reviens, je vous l'explique.
Mais ça ne nous explique pas comment sortir de l'étang pour faire comme toi. Oui. Ça nous dit juste qu'est-ce qu'il y a d'autre part. Bon, il ne faut pas oublier une chose, Richard. Quand on parle de l'évolution de la conscience sur une planète expérimentale, d'abord, on parle de temps. Au stage où on est, on parle d'individualisation de l'homme. Donc, on ne parle plus de philosophie, là. De l'ésotérisme, c'est de la philosophie. On ne parle plus de philosophie. Parce que, à partir du moment où l'homme sort de l'âge du mental inférieur, pour entrer dans l'âge du mental supérieur, il va être obligé de sortir de la philosophie. Autrement dit, il va être obligé de commencer à comprendre le phénomène de sa propre pensée. Évidemment, il y a des hommes qui vont venir et qui vont expliquer le phénomène du mental humain. À partir du moment où cette science-là va prendre ses racines dans le monde, l'homme va, de par sa propre expérience, réaliser que, ouais, c'est vrai, ça marche de même. Mais pour que l'homme réalise que ça marche de même, il faut que ceux qui viendront dans le monde pour l'expliquer puissent l'expliquer d'une façon qui est totalement détachée de ce que l'homme sait. Autrement dit, il ne faut pas que ça soit coloré. Si c'est moindrement coloré, les gens vont le savoir. Les gens vont le sentir. Donc, il ne faut pas que ça soit coloré. Et si ce n'est pas coloré, automatiquement, ça va pénétrer ça, dans la conscience de ce qu'on appelle pour le fun la conscience des poissons. On n'est plus, en tout cas en ce qui concerne la conscience supramentale ou la conscience créative, appelle ça comme tu veux, ce n'est plus une conscience qui base son mouvement dans la civilisation sur le principe de la vérité. C'est un mouvement qui base son mouvement dans la civilisation sur le principe de la pénétration. Autrement dit, c'est une conscience qui, de par sa propre nature, non pas simplement s'instruit d'elle-même quand elle est créative, mais aussi sait que chaque homme est instruit d'elle-même, mais il en est inconscient. Le problème avec l'humanité, avec l'homme, de n'importe quelle race, c'est que l'autorité de sa conscience, l'autorité de son savoir, il n'a jamais été donné. Moi, c'est facile pour moi d'arriver dans le monde, rencontrer quelqu'un qui est intuitif ou qui a un certain contact avec sa propre lumière et dire, ben ouais, ce que tu dis, c'est ça. Parce que je ne suis pas dans une situation de lutte avec l'homme. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas une conscience égoïque. Mais lui, le pauvre type qui est dans un bureau, qui est à l'université ou qui est dans le monde, y en a-tu des problèmes avec les autres poissons? Hein? Qu'est-ce que tu penses que fait que nous autres, il y a bien des années, on a commencé à faire des conférences ensemble? On a fait des conférences ensemble, pas à cause de toi, à cause de moi. Quand je te disais, moi, quand tu fais des conférences, moi, je suis une sphère. Ta job en tant que journaliste, c'est d'essayer de me mettre dans une boîte. Je ne suis même pas intéressé à ce que tu vas parler le soir, mais que j'arrive. En voulant dire, en partant de mon propre centre, c'est à toi de me mettre en boîte. Si tu n'es pas capable, c'est ton problème. Comprends? C'est ça qui a fait qu'on a travaillé. Pourquoi c'est facile de travailler avec moi? Pas parce que je suis Bernard de Montréal, mais parce que je suis libre. Fait que tu sois Richard Glenn, que tu parles des ovnis, que tu parles de toutes tes conneries, ça ne change rien dans ma vie. Le monde, ils disent, qu'est-ce que tu fais avec Richard Glenn? J'ai dit, c'est pas de tes crises d'affaires. Si tu fais avec Richard Glenn, t'aimes pas ça, Glenn parle de ci, puis Glenn parle de ça, puis Glenn parle de ci, puis tu faisais que Glenn parle avec des Bernard à Montréal, c'est pas sa job. Glenn, il parle de toutes sortes d'affaires. Mais Glenn puis Bernard à Montréal, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années, puis on a du fun. Pourquoi? Parce que Bernard à Montréal, c'est une sphère, puis Glenn, c'est un carré, puis c'est la première fois qu'on est capable de mettre un rond d'un carré. Il va encore se fâcher, hein? Trouve-en! Il n'y a pas une place, ni en Europe, ni en France, ni aux États-Unis, où un conférencier puis un journaliste ont autant de fun ensemble dans un domaine qui est aussi sérieux que celui que j'explique dans le monde.
Mais c'est pas à cause de toi. C'est à cause de moi. C'est moi qui est rond. Quand même tu me dirais à la télévision, t'as une tête de cochon, tu me feras pas vibrer. Quand même tu me dirais que qui tu te prends, tu me feras pas vibrer. T'es fini avec moi, tu peux pas me faire vibrer. C'est pour ça qu'on fonctionne bien ensemble. Puis moi, je cherche pas à te faire vibrer, j'ai pas de lutte. J'ai compris, on joue Laurel et Hardy. Laurel et Hardy. C'est ça. Maintenant, conséquence à tout ce que tu nous enseignes depuis des années, il y a 12 petites filles de Chine qui ont conceptualisé, qui viennent du monde de l'esprit. Elles, ce sont les 12 petites filles de quoi? De Chine, en Chine. Okay. Ça s'est passé de cette semaine en Chine. Probablement, vous l'avez vu dans les journaux. Hein. Elles ont découvert qu'elles sont nées en Chine, les enfants de Chine. Puis ils ne prennent pas. Ah, elles, ce sont les 12 suicidées. En disant, on va se réincarner parce qu'on va retourner dans le monde de l'esprit, puis on va se réincarner aux États-Unis, on va se réincarner où on veut. Ça va devenir des conséquences des enseignements comme celui que tu nous transmets. Quand l'être va découvrir qu'il est esprit, que son corps qui est qu'une prison dans le temps et dans l'espace, ben il va peut-être agir de cette façon-là. Dans la rue, ça. Sais-tu qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne le plus aujourd'hui, là? C'est pas le plan atmique puis le plan bouddhique, toutes ces affaires-là. Ce que l'homme, et surtout les psychologues, ce que l'homme doit comprendre le plus au 20e siècle, c'est l'activité insoupçonnée et sournoise du plan astral. Le monde, il pense que le plan astral, le monde de la mort, c'est fini, tu meurs, là, tu t'en vas de l'autre bord, c'est over, de la petite fumée. Le plan astral, c'est un monde habité. C'est un monde habité où les êtres sont actifs et où les êtres se servent de l'humanité parce qu'ils s'ennuient du plan matériel. Puis les gens qui vont me dire, sur les hauts plans de l'astral, là, les grands maîtres spirituels, mais j'ai des petites nouvelles pour vous autres, parce qu'une fois que tu es sur le plan astral, tu es régi par les lois du plan astral, de la même façon que quand tu es sur Terre, tu es régi par les lois de la gravité. Donc, dans le monde astral, le plan astral, c'est un plan qui est extrêmement important pour l'évolution de l'homme. C'est un plan qui fait partie du retour de l'âme après la mort. Donc, c'est un plan qui est totalement sans intelligence, mais où l'intelligence est très active. Autrement dit, quand je dis que dans le plan astral, il n'y a pas d'intelligence, je veux dire qu'il n'y a pas de lumière, mais il y a beaucoup d'intelligence. Et l'homme, si l'homme veut comprendre l'homme, si l'homme veut comprendre son moi, si l'homme veut comprendre sa psychologie, si l'homme veut réaliser comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne la machine humaine, l'homme va être obligé de faire des études du plan astral, des études suffisamment objectives pour éventuellement établir une coordonnée, une relation avec les maux ou avec les maladies mentales actuelles qu'on a le monde. Un peu, là. Je ne saisis pas le lien avec le suicide des deux petites filles qui intelligemment se disent « On s'est incarné à mauvaise place, on va retourner dans le monde de l'esprit puis on va se trouver une autre place pour revenir sur la Terre où on veut. » C'est l'activité astrale, ça, Richard. Qu'ils amènent à faire ça. Être humain ne se suicide pas. Un être humain, un égo ne peut pas se suicider par lui-même. Ce qui amène un être humain à se suicider, c'est l'influence astrale à travers l'utilisation du « je ». L'homme, c'est un être qui est multidimensionnel. Il y a un corps matériel, il y a un corps éthérique, il y a un corps astral, il y a un corps mental. Ça compose toute sa nature humaine planétaire. Ces corps-là, au-delà du corps matériel, sont des corps subtils, donc ce sont des corps qui appartiennent à des plans ou à des univers parallèles. Ces univers-là sont habités. Et ces univers-là qui sont habités sont en communication télépathique, insoupçonnée avec l'homme. Les médiums le savent, ça. On le sait depuis des milliers d'années, ça. Mais on est des êtres tellement ignorants des mystères de l'homme qu'on n'est pas capable de réaliser jusqu'à quel point l'astral peut influencer.